Le Crésus revient avec un nouvel épisode époustouflant. Cette fois, nous allons vous présenter une sélection exclusive des machines agricoles et des robots les plus avancés qui sont tout simplement hors du commun. Ces machines modernes vous feront voir le monde qui vous entoure sous un angle différent. Alors, laissez vos soucis derrière vous, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'avenir de la technologie agricole. Ce chien-robot pulvérise automatiquement un brouillard de pesticides pour éloigner les insectes et autres nuisibles des cultures. L'hélice exploite la puissance et la direction de la rivière pour se déplacer et soulever l'eau du cours d'eau, fonctionnant sans aucune énergie extérieure. Des têtes métalliques tournent autour des plantes cultivées, agitant le sol pour empêcher la croissance des mauvaises herbes sans utiliser de pesticides toxiques. Une machine professionnelle pour la récolte du riz coupe et met en botte les récoltes, produisant deux bottes à la fois. Une machine spécialisée récolte les raisins en secouant les vignes à l'intérieur de la machine, ce qui fait tomber les raisins mûrs dans une zone de collecte. Une longue tronçonneuse spécialisée est conçue pour creuser autour des arbres sans endommager leurs mottes de racines afin de les préparer au transport. Un tracteur équipé de mini-pelles creuse et retourne rapidement le sol, le préparant ainsi à la plantation des cultures. Une machine à jet multiple danse d'un côté à l'autre tout en pulvérisant des pesticides. Un monte-escalier à pneus rotatifs allège le fardeau que représente le transport de lourds sacs de légumes. Un appareil ressemblant au Capitaine Crochet extrait efficacement les arbustes sans endommager leurs racines. Un drone survole les plantes pour y pulvériser des pesticides, démontrant ainsi l'efficacité de la technologie agricole moderne. Le fumier est transformé en briques combustibles à l'aide d'un outil manuel et séché au soleil en vue d'une utilisation ultérieure. Ce robot automatique, semblable à un aspirateur Roomba pour les sols, peut tondre votre pelouse tout seul, accomplissant la tâche de manière impressionnante sans intervention humaine. Une machine applique des autocollants sur des pommes, un processus fascinant qui répond à la question de savoir comment ces autocollants sont placés sur les fruits. Un outil en bambou fait maison détache efficacement les arachides de leurs racines, simplifiant ainsi le processus de récolte. Cette machine à compacter le sol, qui ressemble à quelque chose tiré du film Wall-E, prépare sans effort votre sol pour la plantation.
des semis de culture sont facilités par un outil qui les injecte profondément dans le sol. Une machine ressemblant à un chasse-neige rassemble le foin dans plusieurs directions, ce qui facilite l'alimentation des vaches. Un outil simple, composé d'un bâton et d'une bouteille en plastique à moitié coupée, distribue efficacement l'engrais autour des cultures. Une bicyclette dotée de jambes robotisées mobiles au lieu de roues offre une approche innovante du transport. Un mini bateau flottant arrose les cultures en utilisant l'eau environnante, démontrant ainsi une technologie agricole intelligente. Une balle de foin est compactée et enveloppée dans du plastique, un processus vertigineux mais efficace. Des coquilles d'œufs, des grains de maïs et d'autres déchets alimentaires sont transformés en granulés pour l'alimentation animale. Un outil moderne et ingénieux permet de fertiliser les bananiers et les cocotiers en creusant avec une pile qui libère l'engrais dans le sol pour une meilleure absorption. Une usine sépare les citrons verts par taille à l'aide de cylindres rotatifs percés de trous de tailles différentes. Cette méthode traditionnelle consiste à placer du charbon de bois chaud dans une boîte de conserve pour faire fondre le plastique en un cercle parfait, créant ainsi une ouverture pour les cultures. Les racines de canne à sucre sont plantées efficacement à l'aide d'une machine qui les creuse et les plante simultanément. Pour fendre les bambous dans le sens de la longueur, une machine-outil personnalisée les coupe en longues bandes minces. Un
outil d'aspiration spécialement conçu pour les pissenlits facilite leur récolte. Un système intelligent détecte les mauvais œufs et les retire automatiquement de la transformation dans une usine. La machine à tondre offre une méthode mécanique pour enlever la laine des moutons, ce qui permet de produire un fil de haute qualité en coupant la laine près de la peau. Une machine efficace récolte les oignons en les ramassant individuellement à l'aide d'un tapis roulant vertical, éliminant ainsi le besoin d'un travail manuel. Des agriculteurs ont innové en protégeant leurs poulets des prédateurs en les plaçant dans des cages sphériques individuelles, ce qui leur permet d'errer librement dans les champs. Une brouette motorisée personnalisée transporte sans effort plusieurs pastèques lourdes, éliminant ainsi le besoin de les pousser. Des tiges en bois sont espacées pour trier les prunes de différentes tailles. Une machine récolte automatiquement le blé en cueillant et en ramassant les plantes individuellement. La machine aspire les grains de maïs séchés dans une goulotte et les broie pour en faire de la maïzena fine. Un accessoire de tracteur recouvre le sol de plastique pour le pailler, le préparant ainsi à la plantation des cultures. Les concombres sont coupés en dés et en tranches par une machine automatique fascinante. L'élagage des grands arbres est simplifié grâce à une machine rotative qui façonne proprement la cime de l'arbre. Une faux spécialisée coupe et ramasse simultanément les épinards, rationalisant ainsi le processus de récolte. «
Des packs en aluminium superposés avec des trous de différentes tailles permettent de tamiser et de trier des myrtilles de différentes tailles. Un accessoire de tracteur doté d'une chaîne à pointe rotative aère efficacement la terre arable. Des bottes d'épinards sont attachées rapidement et automatiquement à l'aide d'un outil spécialisé. Une machine de transplantation d'arbres creuse autour d'un arbre, l'extrayant en entier sans endommager ses racines. Pour échantillonner le blé séché, un outil métallique perce facilement les sacs et en extrait une petite quantité à des fins d'inspection. Des pastèques entières et d'autres fruits sont déchiquetés pour l'alimentation animale à l'aide d'une robuste machine à déchiqueter. Une machine robotisée aide les travailleurs des vergers à atteindre et à tailler les hautes branches des arbres. Un outil de nettoyage fait maison, composé de balais et d'un tuyage d'arrosage, nettoie efficacement la saleté des bottes. Un accessoire pour gazon artificiel incorpore du sable dans l'herbe pour lui donner un aspect naturel après son application. Un système de convoyeur à bandes permet de transporter facilement les matières solides, ce qui évite d'avoir à utiliser une brouette. L'outil élimine les scarabées japonais et autres insectes des fleurs, garantissant ainsi la santé des plantes. Les épinards sont récoltés efficacement par une machine qui les coupe par le bas et les soulève sur un tapis roulant. Un petit train sur rail transporte des paniers de pêche dans un verger. Un tuyau d'arrosage à trous multiples arrose plusieurs plantes simultanément. Un outil répartit uniformément les semences pour la plantation des cultures. Une
machine coupe des pommes de terre entières en frites à l'aide d'une lame tranchante en forme de filet. Un accessoire recueille l'eau d'un lac sale en éliminant les algues et les débris. Le foin est récolté, compacté et préparé pour le stockage par une machine à goulottes carrées. Les bambous sont introduits dans une machine qui les fend en plusieurs longs morceaux. Une machine simplifie la récolte du riz en coupant, attachant et mettant de côté les plantes avec un minimum d'efforts humains. Lorsqu'une vache est coincée dans un espace restreint, une excavatrice tente de les sauver en saisissant et en soulevant l'animal pour l'extraire du canal bloqué. We'll be right back.